Il y a deux bagages qui sont capables d'arriver dans le cas de Philippe là. Premièrement, Pierre Espérance dit, il n'y a pas qu'à mettre en prison pour accusation qui a été jugé déjà aux États-Unis d'Amérique. Ça, il faut le clair pour tout le monde. Il n'y a pas qu'à mettre en prison pour accusation qui a été jugé pour eux déjà aux États-Unis d'Amérique. Mais, il y a de l'eau, il y a pris l'eau, déporté comme ça, qui veut dire c'est un déporté. Il y a un DCPJ avec lui. Il vient passer 48 heures de temps, 72 heures de temps, et puis il y a la gueule. C'est procédure normale qui est faite là, mesdames et messieurs. Mais tout, ça va empêcher que si gagne un mandat pour lui, pour l'autre fait que de reprocher, s'il gagne l'autre accusation sous donne, et que sous base accusation ça yo, mandat ça yo, eh bien, yo kembe monsieur dans détention, mesdames et messieurs. C'est une samedi là. Yo pa ka kembe Guy Philippe dans prison sous base accusation drogue, blanchiment d'argent parce que le paye peine déjà pour yo aux États-Unis d'Amérique. On grand bagarre capable faire, yo doit yo kon kembe en 2 jours 3 jours dans DCPJ pour les d'a capable dire ça va que pour faire qui yo pour qu'on côté praler ça va faire prend pas connait mais on pas kembel. Mais cependant, je le répète, c'est que de l'autre accusation sur dole, mesdames et messieurs, Guy Philippe ne doit pas entrer la cali, mesdames et messieurs. Pas oublier que ce Joseph Brivère, il était accusé Guy Philippe comme quoi il était à la base d'une attaque armée qui était faite sous commissariat Okaï. Attaque qui n'était pas soldée par la mort de policiers. Il y a des gens qui sont blessés. Est-ce que tu mets action publique en mouvement contre Guy Philippe dans la période ça? Est-ce que tu as un mandat qui te met contre lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, si tu as un mandat de elle, eh bien, il y a deux bails capables de passer. Il n'y a pas arrêté Guy Philippe. Il va le mettre en prison pour le juger qu'on y a pour l'autre cas que vous reprochez.